se trouve ici est un des meilleurs marques du monde. Il est le représentant de l'école russe. Il va tout simplement vous présenter le mouvement effectué aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Dimitri Trouche. Voilà, Dimitri Trouche qui nous rappelle ces Jeux Olympiques. Qui a dit qu'il n'y aurait pas de haut niveau dans ce show? Il y a du très très haut niveau. C'est un show, un spectacle très très bien équilibré encore une fois. Et voici le fameux Kovacs, c'est-à-dire double saut périlleux par-dessus la barre et ensuite la rattraper. Une petite erreur qui aurait été fatale à Atlanta, parce qu'il a oublié de revenir dans le bon sens. Il s'achemine vers la sortie, vous allez voir accélérer, ici il accélère, et quelle amplitude de double saut périlleux tendu avec double vrille, j'ai l'impression de me retrouver à Atlanta avec ces très très grands champions. Et une excellente réception encore une fois là de Dimitri Trouche, visage très jeune, on parlait d'espoir tout à l'heure, si Nadia Comăneci elle ne voit pas une étoile briller plus haut que les autres du côté des hommes. Ça sera, comme le rappelait Mary tout à l'heure, peut-être les Chinois, peut-être Trouche, peut-être encore Tcherbo. Tcherbo, alors il va falloir qu'il rajeunisse un petit peu, là, il va avoir du mal sur la fin. Ah mais c'est vrai qu'on l'aime tellement, hein, qu'on se lasse pas des champions et qu'on n'aime pas trop les voir quitter la scène internationale, même s'ils continuent à nous régaler, à nous ravir avec de telles images et de tels exercices. Alors, c'est un petit peu de nous-mêmes qui s'en va.